zombie apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve donc sur l'épisode numéro, que je dise pas de bêtises, numéro 18. Donc la dernière fois dans l'épisode 17, on s'était quitté, on avait donc la mission de devoir faire 20 lingots de titane et 10 plaques d'aluminium. Alors comme je vous avais dit, le titane, je me rappelais pas trop, mais c'est un petit peu normal. Pourquoi? Parce que le titane est sur une île où on n'est pas encore allé. C'est-à-dire que le titane se situe ici à Frozen Island, l'île enneigée. Et je peux vous garantir que ça ne va pas être une partie de plaisir. Donc pourquoi j'ai mis autant de temps à vous sortir cet épisode? Ben, tout simplement parce que il a fallu que je prépare tout ça. Parce que île enneigée veut dire froid. Froid veut dire dégâts. Donc si on a des vêtements, comme vous pouvez le voir dans inventaire, si vous allez dans les vêtements qui sont ici, vous voyez, vous avez un manteau de fourrure, vous avez ici le snow pants, snow c'est neige, pants, etc. Vous avez le winter coat. Alors j'ai hésité, honnêtement, pour être cash avec vous, j'ai hésité entre le winter coat et le manteau en fourrure. On verra bien, soit ça passera, soit ça va casser. Mais je peux vous assurer que ça va être très, très, très chaud. Autre chose que vous pouvez voir, c'est que au niveau de ma vie, je suis passée à 131 de vie. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas chômé, hein, même si ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo dessus. Vous savez que ça demande énormément de craft. Donc, il y a eu pas mal de changements dans la base. Voilà, tout simplement. Donc, ici, rien n'a changé. D'accord, on se retrouve toujours avec ce qu'on avait dans les autres épisodes. La seule chose qui a changé, c'est ici. Donc vous voyez, rappelez-vous, si vous, je vous le mettrai en fin de vidéo, de toute façon, je vous mettrai le let's play et je vous mettrai l'épisode 17. Ici, c'était ouvert, si vous en rappelez. Et ici, c'était ouvert aussi de ce côté. Excusez-moi, j'ai un chat. Je suis vraiment navrée, mais mon chat, à chaque fois que je me mets en vidéo ou qu'il m'entend parler, elle se met à parler. Voilà. Donc, vous l'entendez à toutes les vidéos. Et le pire, c'est que quand je fais le montage, elle s'entend. Elle croit que c'est un autre chat. Donc, vous imaginez la galère dans l'appartement. Donc, ici, j'ai agrandi. Donc, je m'excuse par avance. Vous allez l'entendre parler. Voilà. Elle ne miaule pas, elle parle. Donc, on avait le workshop ici. Mais ici, il n'y avait rien. Donc, le problème qu'il y avait, c'était que ici, les hunters, quand ils passaient. Moi, j'avais une porte là. Ah non, elle est de l'autre côté. Ici, j'ai placé donc deux fondations ici pour me protéger. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas les placer directement par rapport à l'escalier. Je ne pouvais pas mettre un mur, ça me bloquait. Puisque l'escalier automatiquement descend, je ne pouvais pas mettre de mur pour pouvoir me protéger des hunters qui tournent. Voilà, donc là, j'ai encore des toits à poser. Mais bon, ça, ça peut attendre. Donc là, maintenant, on est protégé de ce côté et on est aussi protégé de l'autre côté. J'ai essayé de mon côté de voir si je pouvais mettre ici, il y a un croco, si je pouvais mettre moi ici de mon côté un escalier, là, ça passe pas. Voilà. Donc on n'est pas protégé simplement ici, mais à la limite, ça, il suffit de mettre un mur là et on est tranquille. Hein. Mais bon, ça, c'est pas une urgence. Donc le croco, on va peut-être par contre l'éviter. Je pense que je passe dessous, ouais, sans problème. Donc plus j'avance dans le jeu, plus la difficulté se corse parce que les hunters n'arrêtent pas. Et quand je vous dis n'arrêtent pas, là, tout le temps que j'ai passé à crafter, etc., pour pouvoir faire ce que je vais vous montrer, et automatiquement, j'avais plein de hunters qui venaient. Alors c'était assez comique parce que j'étais là, moi ici, derrière ce mur, en train de m'occuper des jardins. Et ils étaient là, donc ils entendaient le bruit, donc ils disaient « I'll kill you », etc. Et ils se plaçaient ici, ce qui fait que moi je montais en haut, et là-haut, je les ai butés, enfin je les butais à l'arc, voilà, tout simplement. Donc ils viennent de plus en plus souvent à ma porte, ils viennent de plus en... Bah, vous voyez, quand on parle du loup, il y en a un. Hop. Mais écoutez,
Voilà, il n'y en a plus. Donc, plus vous allez avancer dans le jeu, plus ça va être compliqué parce qu'ils viennent de plus en plus ici. Et j'en ai jamais vu autant que pendant que je craftais, sans compter les lions, etc. Plus ça va, plus ça se peuple et plus ça se complique. Donc, pour l'aluminium, comme je vous disais, c'est l'île en face. Donc, ça va être comique. Alors, j'ai tout préparé d'avance. Ça m'a pris énormément de temps. Il a fallu que je remine du fer. Il n'y en avait plus. D'ailleurs, moi, hors live, ce qu'il faudra que je remine, c'est du copper, de l'aluminium, etc. Et je vous ferai une map. J'essaierai de vous faire ça assez rapidement. Une map où je vous mettrai les îles où on trouve les minéraux. Mais il va falloir refaire le stockage des minéraux. Vous voyez, le fer, j'en ai absolument plus. Mais c'est ici, sur cette île. Donc, si on va dans... Hop, je sors de là. Si on va dans la map. Donc, notre île, nous, c'est du fer. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le... On trouve un petit peu de magnésium ou de... Ouais, de magnésium. Un petit peu de colle aussi, mais pour l'instant, je n'ai pas sincèrement eu l'utilité. Donc, à voir. Et ensuite, on avait au niveau de l'alu, etc. Il me semble de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, que c'était à Blood Island. Si je ne dis pas d'annerie, il me semble que c'était ici là. Pardon, pas Blood Island, mais Skull Island. Voilà, l'aluminium et le reste. Là, donc, c'est une nouvelle ressource. Donc, sur cette île, on va trouver quoi? On va trouver du titane, donc, et des diamants. Voilà. Donc, tout ça, ça se prépare. C'est-à-dire que, ici, vous voyez, les jardins, bon, ça, je sais plus si ça y était. Par contre, ce que j'ai fait hors vidéo, j'ai fait le cement mixeur qui me permet de faire quoi? Qui me permet tout simplement de faire le ciment, la clay. Et le fertiliseur, voilà. Donc, par contre, le ciment mixeur, il faut automatiquement le générateur qui est ici. Et le générateur, pour le faire fonctionner, c'est avec le biofuel, voilà, les boîtes vertes. Mais tout ça, ça se fait. Oh là là, j'ai toute ma bouffe qui a périmé, c'est pas cool. Donc le ciment mixeur, j'ai rajouté le power générateur qui me donne de l'énergie. Et évidemment, j'ai mis le frigo et la cuisinière. Alors, quand je vous disais que je suis passée à 131 points de vie, pourquoi? Parce qu'avec la cuisinière, vous pouvez vous faire les fameuses pizzas qui vous rajoutent un point de vie à chaque fois que vous en mangez une. Donc, j'en avais avec les jardins que j'ai. Par exemple, celle-ci, ça demande deux carottes, deux patates, deux maïs et une bouteille d'eau. Donc j'en ai lancé une trentaine et puis je les ai mangés petit à petit. Ça s'ennuie beaucoup que ça se soit périmé. Donc on va le mettre là-bas. On peut faire du biofuel avec. Donc ici, vous pouvez faire donc le biofuel qui se met là-bas. Etc. Etc. Là, je vous laisse regarder. Je vois pas. Ah oui, ça c'est pour autre chose. Donc on va mettre ça là-bas. Ici, ça, on va le foutre là-dedans. Qu'on soit bien prêt pour partir là-bas, parce qu'une fois parti, ça sera fini. Bon, pas ce sera fini. Non, on peut revenir, mais bon. Alors, partir le plus léger possible, parce que le problème qui va se passer là-bas, c'est que, à voir, hein, pourtant, j'ai bien tout préparé, j'ai bien tout calculé, et j'espère sincèrement que ça va marcher. Donc, pas la peine de se prendre des clous, etc. Je garde effectivement ma torche. J'ai 50 de nourriture, j'ai de l'eau, j'ai des jus de fruits, j'ai des canettes de végétables et j'ai du crocodile. Puisque la viande de crocodile, maintenant que j'ai la gazinière, ben, automatiquement dedans, je peux faire la gazinière. Je peux faire la viande de crocodile que jusque-là, on ne pouvait pas cuisiner du tout. Vous voyez, elle est là. On ne pouvait pas la cuisiner. Donc, l'autre pizza, c'est la meat pizza. Donc là, ça demande un petit peu plus. Ça donne la même chose en points. Sauf que, bon, ben, ça avait de la viande, du bacon, des œufs. Vous pouvez aussi vous faire des fish cannes. Donc, la nourriture qu'on trouve partout. Donc, la viande de coco et les canettes sty. On en a deux là, mais on en a 50 là. Vous savez, en fouillant les baraques, on les trouve. Donc, on ne se prend pas la tête avec ça. Le frigo sert à conserver la nourriture un petit peu plus longtemps. Attention, pour qu'il marche, il faut que vous allumiez le générateur.
que ce soit pour le frigo ou pour le mixeur, il vous faut le générateur. Et pour faire tout ça, c'est tout simple. Vous allez ici dans le panel. Et dans le panel, voilà. Donc vous avez le ciment de mixeur, ça vous demande ces compos-là, que vous mettez évidemment ici. Et vous en craftez un. Et pareil pour la cuisinière, pareil pour le frigo et le power, il est ici aussi. Donc ça demande quand même pas mal de ressources, mais bon, si jusque-là vous avez suivi le let's play, normalement vous devriez avoir assez de ressources. Donc je me suis fait pas mal, vous avez pu le voir, de copper wire pour ceux qui suivent la série, et je les ai transformés en electric parts parce que c'est toujours autant la galère pour trouver les electric parts et on en a vraiment besoin beaucoup pour pouvoir faire tout cela. Donc je me suis donc fait les vêtements, je me suis donc mis aussi sur moi actuellement. Donc je me suis fait les chaussures militaires qui me rajoutent 6 d'armure et 2 de hit. Là, je suis toujours en fibre parce que je ne suis pas sur l'île enneigée. Je me suis fait le leg armor qui me donne quand même 12 d'armure. Et vous rappelez, le chest armor, il était capot, hein, il était complètement capot. Donc j'en ai refait un autre. Que j'ai, et d'ailleurs, je l'ai rangé, je crois, pas ici. Voilà, j'ai refait un t-shirt en fibre, un pantalon en fibre et le chest armor qui était un petit peu capot, je l'ai mis là-dedans. Bien que ça ne serve pas à grand-chose, parce que je pense pas qu'on attirerait énormément. Mais bon, on ne sait-on jamais. Donc dans le bateau, là ici, je vais ranger, ouais, c'est là-dedans. Je vais ranger l'huile, hop, voilà. Alors, toujours à l'affût, bien sûr, du moindre bruit. Ici, j'ai rien avancé de plus parce que certaines choses qui sont demandées dans le workshop, ici, demandent des diamants. Bon, ici, ça demande de l'iron beam. Ça c'est à faire sur la forge. Ici, le metal machine, il faut débloquer les skills, la repair bench, etc. Du titanium, du titane, de l'alu. Et la turbine machine, il faudra qu'on trouve les deux plans. Alors, ce sera sûrement par le biais des quêtes, hein, comme je vous l'avais expliqué. Comme l'a dit le nouveau développeur, c'est par le biais des quêtes maintenant que vous pourrez faire les choses. Alors, je sais qu'il y a des choses qui demandent du diamant, mais je ne sais plus lesquelles c'est. De toute façon, on n'en est pas encore là. Le plus dur est à venir, c'est-à-dire devoir aller sur cette île là-bas. Alors, dans le bateau, j'ai tout préparé. Le croco est parti, j'espère. Alors, dans le bateau, je vous ai tout préparé. Comme ça, on va pouvoir partir direct. J'ai évidemment fait assez d'essence pour ne pas tomber en rade d'essence. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait toutes ces fondations, etc., etc. Alors, quand vous regardez au niveau de la map, donc ici, hop, je zoome, je viens sur Frozen Island. Il y a en tout une, deux grottes. Et comme je vous l'avais dit, ou je ne sais plus, au centre, ici, par là, il y a une ville de cachet qui n'apparaît pas sur la map. C'est quand on va être là-bas qu'on va la découvrir. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a encore un QG de Hunter, bien sûr, comme d'habitude. Donc c'est dans ces deux mines-là qu'on trouvera le titane et les diamants. Le problème étant, c'est que de 22h à 6h du matin, la température chute très 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 vite. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous perdez de la vie. Votre vie, elle va ici, elle va descendre, descendre, descendre. Alors, si vous devez y partir, faites-vous des pansements, pas mal de pansements, amenez pas mal de medical kit et des larges médicales. Comme ça, vous êtes sûr de vous en sortir. Autre chose que j'ai préparée pour être sûr de moi, c'est des plateformes. Donc j'en ai fait trois. Pourquoi? Comme d'habitude, on va partir avec le bateau. Je pense qu'on va arriver par ici. Je vais mettre ma plateforme avec mon lit. Et avant de partir, je vais casser le lit d'ici. Comme d'habitude, comme on fait à chaque épisode. Pourquoi? Parce que sinon, le jeu, lui, il retient que le lit, c'est celui de notre base. Donc si on part sans détruire le lit de la base et qu'on impose un autre là-bas, on sera re-TP ici automatiquement, alors que notre bateau sera bloqué là-bas. Et pour aller le récupérer, je ne sais pas comment faire. Si vraiment vous oubliez ça, vous allez être légèrement coincé. Vous êtes bon pour vous refaire un bateau. Et le bateau, c'est 5000, hein. Voilà, donc ça serait dommage.
Donc j'ai fait trois plateformes. Une qu'on va placer ici tout simplement bêtement avec le lit. Oh, je suis en train de freeze. Non, j'ai trop chaud. What's the problem? Qu'est-ce qu'il a? Overeating. Problème bête, mec. Voilà. Il a trop chaud. Pourtant, il est. Ah ouais, il a le chest armor, donc on va se mettre dedans. Donc je vais vous expliquer. Il y a trop chaud dehors, pépère. Hop. Voilà, donc vous aurez le même si signal, sauf que ce sera freezing. Et là, freezing, ben, le problème, c'est que votre vie va descendre. Et puis, il va falloir vous soigner non-stop avec des pansements ou des kits. Et donc, c'est de 22h à 6h, 7h du matin. Voilà, qu'on va pas pouvoir sortir. Ou voilà, que ça va être compliqué à gérer. Donc, je vous dis pas que je suis un petit peu anxieuse de la faire. Donc, on fera une petite quick save au moment 2. Après, j'ai fait, donc, au niveau pour Frozen Island. Donc, on va arriver, comme je vous disais, par ici. On posera notre... alors, deux possibilités. Soit on peut poser une plateforme directement ici avec le lit, ce qui permet qu'on dorme et qu'on fasse passer la nuit. Soit j'ai fait deux autres plateformes avec des murs, une porte, etc. et un toit, de façon à mettre une plateforme à côté de cette mine, une plateforme à côté de celle-ci, qui sera fermée par des murs avec une porte et un toit pour ne pas subir le froid. J'ai fait des feux de camp et une forge pour mettre là-bas pour faire les lingots directement sur place. Pardon. Les plaques d'aluminium, je les ai déjà faites, on avait de l'alu. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a vraiment trop chaud, le truc là. Pépère, calme-toi, calme-toi. Je vais pas te faire prendre un bain toutes les 2 secondes. Hein. Hop, inventaire. Si je te sors ça, pas mieux? Non, ça? Ah ouais, mais si t'as trop chaud et la protection, on est mal quand même. Overeating. Ok. On va le faire boire. Voilà, il a plus chaud là. Ah, et j'ai pris des dégâts. La vache. Voyez les dégâts que j'ai pris là, du fait que j'ai trop chaud. Ça, je viens de prendre des dégâts, je suis passé de 125 à 131. Ok, ça promet. Donc ça, on va se le garder dans l'inventaire. Ça, on va le mettre là. Donc, deux possibilités s'offrent à nous. C'est soit au niveau de la map. pardon, excusez-moi. On se met directement la plateforme comme d'habitude à côté du bateau et avec le lit. Voilà. Mais j'ai pas fait à ce moment-là des murs pour entourer. Et là, et je pense qu'on va les faire ensemble. Et ici, donc, il y a les plateformes avec les murs, les portes et un feu de camp pour chacune. Comme ça, au moins pendant la nuit, quand on va voir qu'on commence à freeze, on se mettra dans notre baraque avec du bois que j'ai mis dans le bateau. Il y a tout ce qu'il faut, de la nourriture, on en a, etc., etc. Donc voilà, mettre une plateforme ici avec les murs, la porte et le toit et un feu de camp. Ici, pareil. Et à ce moment-là, si vraiment on voit que ça traîne trop, parce que la nuit, elle est longue, quoi. Et je ne peux pas faire de lit. D'accord? Je ne peux pas faire de lit. Donc, à la limite, soit on met la plateforme ici, soit on la met en plein là, avec le lit. Mais à ce moment-là, il faut faire les murs et les portes. Alors, on est en train d'arriver donc à notre fameuse île enneigée, qui s'appelle Frozen Island. Ça veut tout dire. Le seul truc est qu'il va falloir qu'on trouve où on va se mettre. Autre chose que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'au niveau du bateau, pour qu'il aille plus vite, j'ai mis des points de skill dessus. Comme ça permet de voir à peu près, il va beaucoup plus vite. Hein. Alors, on a une pique ici. Alors, soit on arrive par ce flanc, parce que là, j'ai l'impression que les falaises ont l'air ardues, là. Donc on a tout ce côté-là, sachant que voilà, il y a une mine ici, une mine là. Je pense qu'ici, ça serait pas trop mal, ou à la pique là. Enfin, ouais, non là, ici. De plus, j'étais bien partie. J'étais partie avec le bateau, tout allait très bien.
Et puis, arrivé à moitié chemin, je me suis dit, ah zut, j'ai oublié de... J'ai complètement oublié d'enlever le lit. Voilà. Donc, si on a quand même des arbres, hein, il y a quand même des arbres. Ben là, ça pourrait ne pas être mal. Voyons voir par rapport à la map. Ouais, là, à la pique, là, ça peut être bien si on peut. Ralentir la vitesse, hein. Moins vite. Là, ça m'a pas l'air mal, hein. On va essayer de se garer, hein. Alors, par contre, quand on regarde en haut à droite de l'écran, regardez la température, c'est bizarre, hein? Reculer. Essayer de coller un petit peu plus la paroi pour le bateau. Oh, j'accoste là. J'accoste. Histoire de pas être embêté. Je pense que là, on a accosté. Alors, voyons voir. Ouais, on va l'éteindre. Ok. Donc, là, vous voyez, on tombe à moins 5, hein, du temps. Ouh, ça pique. Alors, vite. Hop. Alors, on va se mettre. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre le nouveau casque. Pioche. Ah, je suis allée prendre ça. Je me suis fait un autre couteau. Hop, on va prendre ça. Ça, je l'ai dit. On va prendre le manteau en fourrure. On va voir. Hop. Alors, le manteau en fourrure. Là, si on prend le lit, on prend ça. Les deux autres fondations, les toits, les portes. Hop, je suis chargée comme une mule. Heureusement qu'il n'y a pas de poids. Le feu de camp. Le feu de camp. 1, 2. Si on peut le laisser là, hop, on va prendre du bois derrière. Hop. Et on va installer nos fondations, quitte à revenir au bateau. On est quand même à moins quelqu'un. Hein. Oh là la vache. Alors, on va mettre notre manteau, notre pantalon. On va mettre ça. Et on va mettre ceci. Et lui, pareil, on va le laisser. Dans le coffre du bateau, on va mettre la neuve. On va éteindre tout de suite. Lampe. Hop. Là, on est couvert. Hein. Là, s'il a froid, moi, je me pends. Par sécurité, on va prendre celui-là aussi. Hop. Et une pioche de plus, puisque de toute façon, on va tout poser. Ok, ici. C'est bon. J'espère que le bateau est bien accosté. Ouais. Alors. Là, on est habillé. On va se mettre en bas dans la barre de raccourci la première fondation. Histoire 2. Je vous cache pas que je suis pas du tout tranquille. Hein. Mais pas du tout, du tout tranquille. Hein. Tiens, on va faire comme ça. Voilà. Est-ce qu'on peut monter? Yes. Inventaire. Alors, le lit. Inventaire, il me faut une porte. J'ai pas pris la porte en bois. Et 1, 2,
3. Alors, on va se mettre la porte. Déjà, ça sera fait. Est-ce qu'il va vouloir le prendre? Parce qu'évidemment, ouais, il veut la prendre là, mais est-ce que je vais pouvoir monter moi de là? Hop là, my god! Ça va être compliqué là. S'il veut pas me la prendre devant la porte. Ah là là, je freeze. Ou j'ai trop chaud. C'est un des deux. Body temp. Eh, je suis à 45 degrés. Hein. C'est pas possible. Hein. Je vais avoir trop chaud. Va falloir jongler avec le t-shirt et le manteau. Ça va être dur, dur ça. Inventaire. T-shirt. C'est ça qu'on enlève? Le manteau, peut-être. Ah oui, mais là. T-shirt. Voilà. T-shirt. Oh, il a moins chaud là. Mais je prenais déjà des dégâts. La vache. Ça va être dur l'affaire. Ça va être dur. Par contre, il veut absolument pas me mettre à la porte. Bon. On va faire ça. Il veut pas me la mettre là non plus. Why not? Il n'a pas l'air de vouloir. Bon, on a posé notre ligne. Hop, on va s'armer. On boit un coup. On a pris des dégâts là. Je vais pas dire, mais on a pris des dégâts. Donc, on va boire un coup. On mange un bout. Et non. Alors, au niveau de la map, il faut qu'on aille ici. Là. Alors, ça va être l'enfer là. Le point blanc, je ne le vois absolument pas. On va faire une quick save ici. Est-ce que ça me l'a fait? Alors. Je ne vois absolument pas le point blanc pour tirer. Alors, on a un premier hunter. On va peut-être pas aller se friter tout de suite. Je sens que ça, là, ça va vraiment être l'enfer. Hein. Je sens l'enfer. On a du bois, donc c'est bon. On a du cochon, on a de la vache. Très logique. Ça par contre, c'est complètement illogique de trouver. Oh non. Là 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 là, je suis complètement paniquée. Vache. Oh, un peu de trucs là. Bon, lui, on va pas le prendre. Hein. On a peu de place. Oh, ça y est, la nuit tombe. On va surveiller notre santé. Oh, putain, un croco. Il pleut. Tout va bien. Je la sens pas du tout, cette île. Hein. Je vous le cache pas, mais je ne le sens pas. Alors, au niveau de du monde, il fait moins 3 degrés. Et au niveau de notre corps, 18 degrés. Il est déjà 10 h du matin. Je ne fais même pas gaffe à ma stamina. Apparemment, c'est un petit peu plus dur d'avancer ici. Alors, je suppose que c'est l'effet de la neige.
vraiment, c'est très. Alors, quand il pleut et qu'il fait l'orage, c'est nickel. Mais alors, sinon, vous voyez le pointeur blanc là sur la neige, on ne le voit absolument pas. Ça va être dur, dur. Ça va être du dur. J'espère qu'on ne va pas y passer 3 jours. L'avantage est que les hunters sont comme nous, ils ont froid la nuit. Donc, ils nous casseront peut-être moins les bonbons, ce qui n'est absolument pas gagné. Alors, je vais te cacher avec vous, hein. Autant le jeu, je le connais, mais cette île, je n'y suis jamais venue. Brut cash, cette île, j'y suis jamais vue. D'où un petit peu mon côté stress de l'affaire. Alors, la mine serait par là. Alors, la première étape, bah évidemment, hein, la fondation. Tout droit, là-bas. Devant nous. On a du bois juste à côté. Ça, c'est l'entrée. Yes. Alors, on va faire comme ça. C'est l'entrée. On va se mettre la plateforme voilà, j'ai plus de place. La plateforme ici. Me dites pas qu'il veut pas qu'on place de plateforme ici, c'est pas possible. Ça va être infernal. Je sens que ça va être infernal. Il veut absolument pas que je place de plateforme. Apparemment, je peux pas placer de plateforme. L'enfer que ça va être. Je sens qu'on va crever. Hein. Je peux pas la mettre vraiment pas. Sérieux? Pour l'instant, il dit non. Le jeu. Non. Ici non plus. Non. Ah. Ça m'embêterait sérieusement de les jeter, hein. Et je peux pas. Ah, ici, je peux. Alléluia. Donc là, on va vite se mettre les murs. Hop. Donc on a personne qui vient nous casser les pieds. Tout va bien. Ah, c'est parce que j'en ai 6 qui ne veulent pas en fait. Hein. Alors. Il veut pas me la mettre. Cette peau de vache. Il veut absolument. Il veut pas le poser là. Si, c'est bon. Hop. Ici. J'espère que j'ai personne dans le dos. Hop. Elle peut pas me faire le coup de pas vouloir me la mettre là. Hein. Pas. Alors bien sûr qu'il m'a corsé les affaires. C'est bon, ça passe. Alléluia. Hop.
Ici, la tenue. La porte. Je l'ai foutu où? J'ai mis dans l'inventaire, mais pas là où il fallait. Ok. Voilà, et on va se mettre le toit. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, si vous saviez comme je suis stressée là. Pour l'instant, on n'a pas pris des dégâts. Et donc un feu de camp. On va le mettre là. Et j'ai laissé le bois au bateau. Ah non. Je ne suis pas tout à fait neuneu. Ok, ça c'est fait. Alors, on va éliminer. Déjà, ça sera fait. Alors, je vais mettre dans le feu de camp les plateformes et tout ça. Pas la peine de les prendre. Hop. Ça. Ça. L'autre feu de camp. Ça, ça, l'autre couteau à dépecer, la pioche en garde, le bois on va le laisser là, et on va bien sûr garder tous nos manteaux. Voilà, le couteau à dépecer ici, voilà, on va garder sur nous ça. Allez, on boit un petit coup. On y croit bien fort. Ça, on s'en fout, on jette. Et on y go. On ferme derrière nous. Hop. Alors, par rapport à la mine. Hop. Donc, l'arc. Hein. Et on surveille en haut la température. Il fait 0 degré, 16 degrés pour notre corps. Et on surveille notre température. Donc on est toujours dans le 0,5. Dehors, du moins 0,6, 16 degrés dans la grotte. Alors ici, on a de l'argent. Enfin les diamants, pardon. Si je ne dis pas de bêtises. Il va être 14 h. On a deux diamants pour de la clé. Hein. Donc la clé, elle va dégager. Voilà. Donc on reprend notre arc. On sait que on n'est pas à l'abri qu'il soit là. Hein. On va continuer. Ici, il n'y a rien. Ici. On a le titane, nickel. On reprend notre arc. Hop. Les araignées, on s'en fout. On arrive même à la maison. Alors ici, je sais pas si ça va crouler sous les ressources, honnêtement. Là-bas.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est moi qui ai jeté quelque chose? Une stone? Bon. J'ai pas jeté de pickstone, moi. On serait pas tout seul? Au niveau du corps, ça va. À moins que les développeurs aient changé ça, le nouveau, mais... Ici, il n'y a rien. My God, il n'y a pas beaucoup de choses, hein. On n'a pas vu... Ça m'embête ce stone là parce que non, je ne l'ai pas jeté de mon inventaire, elle sort d'où? Voilà, je ressors de la grotte. Il n'y a pas que deux cailloux par grotte quand même, ce serait quand même illogique cette affaire. Ben, si c'est deux cailloux par grotte. Mais là, je ressors, hein. Je veux pas dire, mais. Alors, par là. Ici, de l'argent. Bien l'œil sur l'heure et bien l'heure sur la température du corps. Hein. Body temp. En haut à droite, notre corps est à 18 degrés, ça va. Par contre, dehors, enfin, dans la mine, il fait 2 degrés. Ici, du titane. De l'alu, pardon. Non, du titane. Je m'y perds mon latin. 15 heures. On y croit, hein? Encouragez-moi, encouragez-moi, on y croit. On va se reprendre l'arc. Cette pioche me plaît pas du tout là, hein, qu'on a eu là au milieu là. Il n'y a que dalle. Hein. Peut pas y avoir que ça comme minerai, c'est pas possible. Hein. Même nos grottes, elles sont plus fournies de l'autre côté. Hein. Bon, en même temps, hein, c'est du minerai rare. Ici. Niveau corporel, on est à 19 degrés, ça va. J'en vois pas d'autres. Hop, on passe sur l'arc. J'en vois pas d'autres ici. Ce cul-de-sac. En remontant, peut-être. Attention à la stamina. Attention au hunter dans les grottes. On va aller voir par là-bas.
Je n'ai jamais été aussi mal dans une grotte qu'ici. Vraiment être à l'affût de tout, du bruit, des pas, au cas où on entendrait leurs pas. Ça m'en a pas donné beaucoup, 13, hein. Donc on en a 73, la clé, hop, je la gicle. Diamant 3, hein. Il n'y a pas beaucoup de minerais, c'est pas 3 jours qui va. Ah, ici, des diamants. Ces heures. Ça donne plus de diamants que ça me donne de titane. Je ne sais pas. Non. Non, non, on gagne plus de titane que de diamants. C'est beaucoup plus logique. Donc là, on revient là où on était. Ici. Mon père son latin. Il n'y aurait que ça comme minerai. Oh, c'est de la folie quand même. Un cul-de-sac. Je vous dirais honnêtement que plus vite je partirai de cette île, mieux je serai. Mais bon, il nous faut quand même ben les crafts, quoi. Parce que si on rentre avec 10 titanes, ça m'étonnerait qu'on fasse 10 lingots, hein, pour être honnête. Qu'est-ce que c'est ce truc? Une stone. On n'est pas tout seul dans la grotte, hein. On n'est pas seul ici, hein. C'est pas vrai. Les stones étant là, je cherche mes mots tellement je suis perturbée. Les pics, enfin les pioches, elles ne tombent pas comme ça du haut de la grotte, quoi. C'est la deuxième. Donc moi je dis, on n'est pas tout seul. Mais bon, j'ai jamais vu encore des hunters jeter. C'est inquiétant tout ça. Je le décollais à l'écran, l'air de dire j'y verrai mieux si on m'attaque, mais pas du tout. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a vraiment pas beaucoup de minerais. Hein. Je veux pas dire, mais beaucoup d'araignées, pas beaucoup de minerais. Oh la vache, hein, c'est impressionnant. Voilà, c'est le cul-de-sac, il n'y a rien. Température, 18 degrés, c'est bon, ça va. Il n'a pas chaud, il n'a pas froid. Tout va bien.
Je tourne dans celle-là, hein, puisque l'autre, on la fera après. Ici, il n'y a rien du tout. Hein. Non, il n'y a rien du tout. C'est pas peine que je saute et m'embête à remonter. Là, on ressort. Hein. On va aller déjà poser ça. Au niveau de la température du corps, alors dehors il fait 0, moins 0,6. Hein. On va se mettre là-dedans, histoire de boire un petit coup à l'abri. Alors, on n'a pas énormément de choses. Hein. La stone, on va le mettre là-dedans. Toc, toc, toc. On va boire un petit coup. Ça, je le veux. Là. La soif descend très vite. Ça, on peut le laisser là-dedans. On va garder nos minerais sur nous. Hein. Voilà, hop. Comme ça. L'autre est vraiment à l'opposé de nous. Hein. Alors, il y a un hunter en face, deux hunters. A l'air de... On va refaire un tour. Je vais y aller doucement mais sûrement que mourir quoi. Ce serait vraiment dommage. On va partir sur la gauche. On va faire que du gauche. Sac. Il est 17h dans le jeu. Ok. Je pense que là, on a tout pris. Hein. Je pense. Hein. M'inquiète, c'est ces pixels, les pioches qui pop toutes seules, hein. Enfin des cartons. Hein. Là, je ressors. Je pense pas que ce soit un... On va regarder, mais je pense pas que ce soit un truc à. Non, il y a vraiment que les deux minéraux qu'on a vus là, c'est-à-dire les diamants et le titane. Ça fait super mal aux yeux, par contre, je vous le dis. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, pour moi, ça me tue les yeux. Hein. Donc, je pense qu'à mon avis, on a fait le tour. Ici, du moins, pour celle-là. On a la deuxième à visiter. On va y aller.
17h. Ah, j'ai froid. Alors, hop, on met ça. On met ça. Normalement, il a plus froid. Très bien. 13 degrés, 14 degrés, notre température monte très vite. Alors, je ne serai pas trop pour m'éloigner trop de là, la nuit tombée. Et bientôt 20h. Peut-être jeter un œil en haut de la colline, là. Je suis toujours sur mon arc. Est-ce que je prends des dégâts? Non. Il a pas froid. Les hunters étaient là-bas. Il y en a un là-bas. On va aller voir là-haut. Et on redescend. Tranquille. Histoire de voir. Il y a peut-être rien. Hein, mais je sais qu'il y a une ville cachée. Encore faudrait-il la voir. J'ai complètement pas paniquer avec l'ours. L'ours, le loup, pardon. Je sais pas où est la ville en fait. Je sais pas du tout où est la ville. Oh là, je l'ai pas vu lui. Lui non plus d'ailleurs, tant mieux. C'est un peu une petite perte de temps que je fais, mais vaut mieux y aller piano là. Et on est à 33-34 degrés de température corporelle. Encore un loup là. Éviter de se faire avoir ce coup-ci. Alors là, vous voyez, pour viser le point blanc, mais laissez tomber quoi. Raté. Ce coup-ci, j'ai pas raté. Okay. Écoutez, ça nous fera du steak, hein. Hop, hop, hop. 20h. Donc on est tombé à moins 15 degrés dehors. Notre perso a pas l'air trop mal, hein. Est-ce qu'on aurait des minerais en dehors de la grotte? Je pense pas. Hein. Vous savez, comme on a un petit peu. On était dit là-bas. Comme on a un petit peu sur notre île, là, du fer qui pop. Bon, là, ça m'étonnerait beaucoup, mais. On était dit là-bas. Bah, écoutez, ça a l'air de fonctionner, en tout cas, notre manteau. C'est le manteau en fourrure hein, que j'ai mis. Hein. On va éteindre la lampe, on va l'économiser puisqu'il fait jour. Au niveau de la map, l'autre mine est où? Elle est beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Je tente très bien, mais. L'autre elle est là. On parle à 1300 mètres. On va tester. Pour l'instant, notre perso se porte plutôt bien. Il fait moins 22 dehors. Lui, il a une température à 33 degrés. Je pense qu'on l'a bien couvert. En même temps, et le chest armor plus
plus les protections des jambes. Ben, moins 22 dehors, lui, il a 33 degrés. Tout va bien, tout va bien. Donc, préparez bien votre excursion. Donc, il est 22h. Donc, on m'avait dit entre 22h et 6h du matin. C'est là où on prend le plus de dégâts, on va voir. Bon, il était moins équipé que moi, apparemment, hein, mon collègue américain. Donc, mettre la lampe, peut-être. Voilà, on y verra mieux. Alors, la mine serait ouf. Nous, on est à 32 degrés, tout va bien. J'ai fait du bon boulot. Ça m'a, je vous promets, ça m'a pris énormément de temps. Je sais que pour ceux qui suivent la série et qui sont bloqués, vous attendez après les épisodes, et je le comprends. Mais là, ça m'a demandé un temps de dingue de préparer tout ça, de crafter, là, ici, elle est là, la mine. De crafter, de préparer ce voyage, d'essayer de me rappeler où était le titane, etc., etc. C'était une horreur. Je dis, mais jamais, je vais en voir le bout. Mais si, c'est bon. Donc, allez, on va aller miner dans celle-là. Toujours piano. Ici, alors, je pense qu'avec la température extérieure qu'il fait, je pense pas qu'il soit dans les mines. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hop. Pas très loin de la ville là. Hein. En même temps, faudrait être fou pas dehors à moins 24 degrés. Mais vous me direz, t'y es bien toi. Et on va boire un petit coup. Toc, toc, toc. Hop, on jette ça. Bon, j'ai jeté un item de verre, hein, un bocal. Hein. Si là aussi on a des pics qui se pointent, je vais m'inquiéter. Ici, il n'y a que dalle. Mmh. Bon, ça, je sais, c'est moi qui l'ai mis. Ici, qu'est-ce qu'on a? Diamant. Notre arc. La mine qui me stresse le plus du jeu, je crois. Je suis pas, je veux, après avoir au désert aussi, hein, je pense qu'au niveau de l'île du désert, ça va pas être mal non plus, je pense. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que là, autant j'y vais sereine et cool dans les autres, autant là, je ne le suis pas du tout, mais du tout. On tombe à 29 degrés. Ça va, hein, il est bien. Un cul-de-sac. Il faudrait qu'on arrive à ressortir avant minuit. De façon à ce que les ressources repopent. Si je me dirige tout droit, normalement, on devrait y arriver. Bon, tant pis, on saute. Là, je vais vers la sortie. 11h15 quand même. 23h15. Regardez, la température, elle chute. On est à 28 degrés. Et tout ce qu'on a, 28 degrés.
On se dirige vers la sortie calmement. Reste calme. Pas du tout, on se dirige pas vers la sortie, chérie. Ça y est, t'as perdu ton GPS. Faut qu'on sorte avant minuit, hein. Si on veut que ça repop. Écoutez, il y a du titane, il y a de tout là. Ah, bon, bah, elle est là. Tout, il y a deux grottes. Donc, bon, ici, on a des diamants. Il y a d'autres diamants ici. Notre pépère, il est tranquille, 28 degrés, ça va. Il est bien couvert. Il fait quand même moins 25 dans la grotte. Hein. Et lui, il est sur les tropiques. Hein. Ici, il n'y a rien. Ici. Diamant. Minuit, on n'est pas ressorti de la grotte. L'autre a du repop par contre, d'où on vient. Alors ça fait beaucoup d'allers-retours. Beaucoup de farms. Enfin, je tenais quand même à ce que vous voyez les nouveaux minerais. Et ceux que vous aurez besoin pour votre quête. Mais aussi les conditions. Voilà, les conditions dans lesquelles faut que vous partiez. C'était vraiment le plus important à vous montrer. J'ai pas arrivé, il y avait bien un truc là. Mais. Ça dépop à minuit alors? Oh non. J'ai besoin de l'aluminium. Pourquoi tu me l'as fait dépop? J'avais besoin plus que du diamant là. Hein, pour être honnête. Si j'arrive à ressortir. Et à re-rentrer. C'est pas là comme ça que je vais y arriver. Il y avait un truc de. De titane. Et il a des pop. Donc je pense qu'il faut qu'on ressorte et qu'on re-rentre. Hop. Qu'on ressorte, je retrouve la sortie bien sûr. Là, on ressort et on re-rentre. On va voir. Oh la vache, je me refais jamais ça. On va sortir comme ça. Voilà. Ah, je peux remonter maintenant. Moins 25 dehors. Hein. Moins 25 degrés. On est au Québec. Hop. Est-ce que là, ça repop? Dites-moi oui. Hein. On y croit? Ça me tue les yeux. Hein. Honnêtement, ça me tue les yeux. Là, il n'y a rien. J'ai bien peur, ma pauvre Chirelle, que ça n'est pas repop. Hein. Je repars vers la sortie. Pourtant, normalement... Ou alors, il fallait que je sorte avant minuit. Et je suis sortie après. Ça m'a dépop les ressources.
perso, tranquillou quand même. Ah là, regardez, de l'alu, du titane. Pourquoi j'arrête pas de dire alu? Après, pour notre quête, c'est surtout ce qu'on a besoin, un 20 lingots de titane et en ramener à la base. Est-ce que les prochains crafts, on va pas avoir besoin de titane aussi? Du verre, certain, certaines. Mais par contre. Là, encore un. Ben, ça se passe moins mal que ce que je pensais quand même. Hein. On ira quand même faire un tour dans la ville. Hein. Je ne sais pas s'il y aura énormément de choses à trouver. D'après mon ami américain qui lui de son côté a fini le jeu depuis longtemps, mais qui n'est pas revenu. Il a fini depuis des années, hein, donc il n'est pas revenu dessus depuis longtemps. Il n'avait rien trouvé dans les villes. Ça ressemble beaucoup aux villes qu'on a sur notre map. Mais par contre, à l'intérieur, il n'y avait rien. Même dans les hangars, il n'y avait pas de carton, il n'y avait rien de tout ça. Donc, à voir. Le jeu a tellement évolué. À voir. Enfin, notre but premier étant les minerais et se barrer très vite. Hein. Je vous le dis cash. Je vais pas traîner sur celle-ci. Pas que, mais très austère. Ah, ici. Donc c'est notre première nuit. Je ferai peut-être une ellipse. Le temps de faire quelques minerais pour pas que ça soit répétitif et rébarbatif pour vous. Bien que je sais que vous me l'avez dit dans vos commentaires, ça vous aide pas mal. Donc ben, écoutez, c'est un petit peu le but, j'en suis ravie. Si ça vous aide, on a des diamants. Mais bon, après, voir piocher pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça risque d'être relativement pénible. Donc là, on finit cette mine et peut-être après, on ira jusqu'à la ville. Je finirai moi de mon côté les mines, les autres mines. Enfin, l'autre mine, j'y retournerai. En sortant, là, de toute façon, on se mettra un petit coin, de toute façon on sera obligé d'y revenir, hein. Qu'on le veuille ou non, comme tout le reste, hein, de toute façon on sera obligé de revenir, parce qu'on en aura besoin, à moins qu'il n'y ait pas énormément de craft qui demande des diamants, mais par contre je suis sûr que le titane on sera obligé de revenir pour le chercher. Lui il n'y a pas à tordre du nez, je suis sûr qu'on sera obligé de revenir rien que pour lui, rien que pour le titane. Il sera obligé de revenir. Enfin bon, ça vous permet comme ça au fur et à mesure du let's play de pouvoir voir où sont situés les minerais, que vous galériez pas à les chercher. Alors j'essaierai de vous faire le plus vite possible, alors je peux pas vous dire quand, mais je vous ferai une map, hein, avec les minerais, où on les trouve. Comme ça, si ça peut vous aider, tant mieux. Moi, j'ai pas mon arc, c'est pas bien. J'ai l'impression un petit peu de tourner en rond là. Il n'y a rien. Alors, je pense qu'on peut sortir, hein. Honnêtement, enfin, quand je vais trouver la sortie, ce qui n'est pas gagné.
On va voir s'il n'y en a pas sur les parois aussi. Là, je ressors. On a un diamant là-bas. Après, ça va être la galère pour remonter, comme d'hab. J'aurais préféré que ce soit du titane. Alors là, c'est un petit jeu de bien se placer et hop. Une fois que j'y arrive du premier coup, on applaudit bien fort parce que d'habitude, quand je suis en bas là, je galère à remonter. Donc on a eu un diamant de plus, je peux pas dire que le titane, il y en a énormément. Va ressortir. C'est le jour. Peut-être aller, il y a un hunter là à gauche. On va peut-être aller faire un tour à la ville avec vous. On va boire un petit coup. Par contre, la flotte, hein, prévoyez-en. De la viande et des scrunchs. Hop! Ça, on le dégage. Ok, ça, on le vire. Ça, on le vire. Et ça, on le vire. Donc, on a 100 titanes pour le moment. Moi, j'irais bien faire un tour dans cette ville. Elle est où? C'est où? J'ai des hallucinations. Il y a bien une ville là. J'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé. En sortant de la mine, il y avait bien une ville là. Oui, là-bas. Ah, mais cette neige, je vous jure, c'est infernal, hein. On va se mettre un petit coup de pansement. Voilà. Alors, on est à 32 degrés, il fait moins de 19. Nous, notre corps, 32. Dehors, moins de 19. Restez vigilants. On va voir s'il n'y a vraiment rien à looter dans cette ville, mis à part tuer des hunters. Ce qui ne nous changerait pas énormément d'habitude. Alors. Alors, il y aurait plusieurs villes comme ça, enfin, ville. Petit bout de trucs comme ça, là. Des hangars, des. Pas vraiment des villes complètes comme on a sur notre île. Mais il y aurait voilà, des petits hangars comme ça, des choses planquées sur l'île. Elle n'est pas immense. Mais il y aurait des bâtiments comme ça, un petit peu dispersés. Donc effectivement, comme il me l'a dit, aucun carton en vue. Je vais peut-être éteindre ma lampe parce que voilà, avec la neige et tout, ça fait très très mal aux yeux. Je pense pas qu'il y ait. Rappelez-vous, dans ceux de la ville, il y a des cartons. Ici, il n'y a que dalle. Hein. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Pour ça, il avait raison. On va aller voir l'autre. Par contre, ouais. La seule chose qu'il va y avoir. On va avoir des sacs poubelles et des sacs. Hein. Regardez. Ici. Hop. On va looter.
Hop. Il y a un sac là-bas. On va le prendre tout de suite. C'est tout et n'importe quoi, hein. Comme quand on loot dans les villes. Voilà, c'est des sacs poubelles et des sacs comme ça qui sont dissimulés. Là, il n'y a rien. Un autre sac là-bas en face. Une pizza, alléluia. Alors qu'est-ce que je garde pas? Je garde pas ça. Je garde pas le bois. Je garde pas ça. Je garde pas la clé. Je garde pas ça. Ça je garde. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Ça je prends l'eau. Je prends. Et ça honnêtement je m'en fous. Alors ici on a d'autres. D'autres sacs poubelles. Ça, je m'en fous. Du sable, prendre. Ça, je m'en fous. Ça, je prends. Ici, sable. Bon, on prend tout. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Le reste, on prend tout. Comme quoi. Voilà, c'est vrai qu'il me l'avait dit ça, le coût des poches poubelles, etc. Alors, je croyais que c'était un carton, mais non. Dans celui-là, on n'y est pas allé voir, mais je pense qu'il n'y a rien. Hein. Même pas une poche poubelle, ni un sac, rien du tout. Tout est cassé. Faire le tour. Je pense pas là. Alors qu'est-ce qui nous manque? Ben, on boit beaucoup par contre. Hein. Prévoyez de l'eau. Hein. Prévoyez de l'eau. Hop, ça je jette. J'en ai pas besoin moi perso. On va crunch la pizza bien sûr. Un point de vie de plus. 132, nickel. On va se manger un yaourt. Non, même pas besoin. On est bien. La tomate. Alors, quelle heure est-il? Il est. On est à 6h du matin. Il n'y a rien. Contour des bâtiments. Ça, on l'a fait. Se rediriger peut-être vers l'autre grotte. Voilà. Toujours en étant super prudent, puisque celle-là, bon, on l'a faite. Donc, je pense pas que. À voir s'il n'y a pas d'autres villes. Mais après, c'est des ressources qu'on trouvera de toute façon, hein, sur notre île. Donc. Oh, il y a un Teddy. J'ai pas vraiment envie de me battre avec lui. Je préfère vraiment garder mes flèches pour les. Si besoin, pour les hunters. Je vois pas d'autres bâtiments là, à l'œil nu. Dispo. Voilà, il nous fait escalader là, le checkpoint. Hein. Attention à la stamina, je suis qu'à 63. Bah, écoutez, ça se passe plutôt bien. Alors, par contre, il a 38 degrés. Il va pas tarder à nous dire qu'il crève de chaud. Moi, je papote l'air de dur. Bon, c'est une balade, hein, mais non, pas du tout. Moi qui arrête pas de vous dire, faut être à l'affût du moindre bruit. Regardez là, il y a une autre ville. On va aller là.
on sait pas ce qu'on peut y trouver. Des poches poubelles sûres avec des objets dedans, hein, des sacs sûrs, des electric parts peut-être. Rien ne t'est dit par contre, juste devant moi, ça me casse un peu les pieds. S'il faut qu'on le tue, on va le tuer, hein. On fera du steak. On va l'éviter. Oh non, j'ai le bug de. Alors attendez, échappe. On va faire une quick save. Résumé, est-ce que j'ai le bug? Ouais, j'ai le bug de l'arc. Ah! J'ai le bug de l'arc. Alors attendez. Échappe. Quick save. Comme la dernière fois. Hein. Voilà, main menu. S'il veut bien. Voilà. Donc on relance. Voilà, ça se bug. Il va falloir vraiment. Il va falloir vraiment qu'il l'arrange, hein, parce que c'est vraiment extrêmement pénible et risqué pour nous. Parce qu'à chaque fois qu'on a le bug de l'arc, le problème il est qu'on n'a plus accès aux autres armes. Et on se retrouve avec l'arc en plein milieu du pif, comme ça, donc on n'y voit plus. C'est pas génial, génialissime. J'espère que j'en ai pas un qui va me pop devant le nez là quand ça va réapparaître. Non, alors là. Ah, c'est bon. Hop. Ah, ici, pas de hunter. Bon, on a un Teddy ici. Bon, je pense qu'on peut l'éviter. L'éviter. Par contre, est-ce qu'il va y avoir des hunters ou pas? Je ne sais pas. Alors la journée, ils sont peut-être en balade à essayer de chercher des ressources. Voilà, un grand escalier qui monte dans un truc là, assez bizarre. Voilà, ici, ça a l'air un petit peu plus. Bon, il n'y a rien. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Là, un magasin ici. Ouais, il n'y a pas de carton. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de carton, il n'y a rien. Non, là, il n'y a que dalle. Mais c'est complètement abandonné en fait. Là-dedans, on est allé voir. On va voir dans celui-là. Pourquoi ça va? Ah oui, non, c'est l'ours. On va aller voir là. Ça, je le fais avec vous. Puis après la dernière mine, bah, je la ferai. Je ferai des allers-retours. Et je vous récupérerai après. Là, il n'y a pas de sac, il n'y a rien ici. C'est bizarre. Hein. Par contre, il n'y a pas la queue d'un hunter. Hein, rien du tout. Hein. Enfin, je dis ça, je m'en prendrai en pleine figure. Hop, là, il n'y a pas de sac. Il y a cette espèce de truc là où faut monter là. L'entrée d'une pyramide. C'est inspirant sans lettres, hein. On n'a pas vraiment envie. Est-ce que c'est un. On peut rentrer. Ça sent pas bon, ça. Keycard requis pour entrer. Ah! Il va falloir trouver une clé, hein. Faut une clé pour pouvoir rentrer là-dedans. Vous allez voir qu'à tous les coups, c'est là-dedans qu'il y a les plans. Ce serait une blague. Ce serait une blague. Donc il y aurait quelque part, ou alors c'est un hunter qui possède la clé. Ah, il a trop chaud, ça y est. On va lui enlever ça. Hop. Niveau des jambes, ça va, c'était torse nu. Ouais, c'est bon. Là, ça va. Alors, on est à 43 degrés, le pauvre garçon. Alors, soit c'est un hunter qui aurait la clé, soit on devrait la trouver. Là, je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que c'est un des hunters qu'on doit tuer?
Oula. J'ai fait autant de bruit que. Une keycard est requise pour rentrer. Peut-être en tuant les hunters. Peut-être bien que c'est ça. Écoutez, on verra. Hein. En tout cas, il n'y a pas de sac ici. Il faut que j'arrive à me repérer par contre par rapport à la map. Où c'est qu'il est cet endroit? Map. Donc il est ici là, la falaise là. Il faudra que je m'en rappelle. Il a falaise ici là. Juste là. Hop, c'est ici. On va aller tout droit. Si on voit un hunter, on se le fait. Histoire de voir si c'est lui qui a la carte. Est-ce que c'est eux qu'il faut tuer? Est-ce qu'il y a une autre ville? Je crois qu'on va y passer plus de temps qu'on pensait hein, ici. Donc là, on se dirige vers notre caverne. Bizarre cette affaire. Puis ils n'ont pas l'air nombreux, donc si c'est du logique, mais bon, on sait très bien que rien n'est logique dans ce jeu. Si c'est du logique, il n'y a pas 5 millions de hunters. C'est pas en tuant un ours qu'on va. Voilà quoi. Donc je pense que c'est des hunters. Quand on va les tuer, on va obtenir la clé qui va nous permettre de rentrer dans ce bunker. Et qu'est-ce qu'on y trouverait dans ce bunker? C'est là ma question. Et là, il n'y a pas la queue d'un animal ni d'un hunter. Hein. On les a vus tout à l'heure. On va retourner dans la mine. Hop. On met notre lampe. Parce qu'on est quand même là pour le minerai à la base. Mais bon, s'ils nous mettent en plus des énigmes maintenant. Le diamant est de retour. Mais pas que, je pense pas. Il est 8h. 8h30 du mat. Sachant que c'est pas vraiment le diamant là hein, qu'on cherche. Hein. Bon, on le prend parce qu'on va en avoir besoin. Mais c'est surtout l'alu. Hein. C'est surtout l'alu. Hein. Surtout l'aluminium. Alors ce que je vous propose moi de mon côté, c'est que je vais continuer à miner hors vidéo. Pour éviter de vous imposer des coups de pioche comme ça pendant vitam aeternam. Si je croise un hunter, bien entendu que je le tuerai si je ne me fais pas tuer. De toute façon, je ne peux pas tricher. Vous voyez que ma vie est à 132. Bon, évidemment que je lui ferai la peau si je peux. Ça sera kiff-kiff bourrico, lui, moi. Hein. On a du titane. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve après que j'ai miné plusieurs fois les villes. Je vais voir si je croise des hunters, moi, de mon côté. Et à ce moment-là, si en tuant les hunters, je trouve la carte. Bon, bien sûr qu'on ne va pas rester non plus vitam aeternam sur cette île. C'est pas possible. Mais enfin, il faut qu'on ramène les minéraux. Et à ce moment-là, on verra quand je vous reprends. On voit. On fait le point sur combien j'ai de titane, on fait le point combien j'ai d'argent et d'argent, de diamants. Et on se retrouve à ce moment-là. On voit si j'ai croisé des hunters. Je vais essayer de tourner virer. Il faut que je fasse quand même attention à la nourriture. La viande, c'est pas un problème. La boisson non plus. Mais au niveau protéines, c'est un petit peu chaud. J'en ai peut-être pas pris assez. Donc ce que je vous propose, c'est que
Je mets sur pause, je fais une quick save. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve là pendant. Je vais faire là de suite, en suivant. Je ne vous lâche pas au niveau de l'audium. Je vais miner de mon côté. Je vais essayer de trouver des hunters. Et je vous reprends une fois que j'ai fini de miner, que j'ai assez de minéraux, etc. Je vous reprends et puis on reprend le bateau. Direction l'île des traders. On fera d'abord dans la forge que j'ai faite au bateau les lingots, comme ça sera fait. On fait nos 20 lingots, on porte nos 20 trucs à l'île des traders qui est à côté. Et après moi, je rentrerai à la base, on verra ce qu'il nous donnera comme nouvelle quête, Jack. Ou est-ce qu'on aura terminé le jeu ou est-ce qu'on aura d'autres quêtes en suivant? Ça, c'est à voir, mais je vous retrouve tout de suite le temps de miner, de ne pas vous imposer tout ça. Je chercherai des hunters, j'essaierai de les tuer. Sinon, je ne vois pas du tout comment on trouve cette carte. D'accord, mais vous inquiétez pas, on aura la solution. Je vous reprends tout de suite. Ok, on se retrouve donc ben, pour la troisième partie, pour moi, quoi, parce que pendant que je fais mon ellipse, ben, j'ai quand même pas mal miné. J'ai passé 3 nuits, j'ai fait tout le tour de cette maudite île pour trouver s'il y avait une solution pour ce bunker. Or, d'après ce que l'on m'a expliqué sur le Discord du développeur, c'était pas la peine que je me fatigue autant. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va être amené à revenir. D'accord? Alors, là, en l'état actuel des choses, tant que j'y suis, donc on a 75 diamants et 298 lingots de titane. Donc on va être obligé de toute façon de revenir sur cette île un petit peu plus tard. Parce qu'en fait, au niveau du bunker, c'est tout simplement via les quêtes. Voilà. Donc si comme moi, vous étiez bloqué ici à vous dire, mais bon sang, mais comment je vais y rentrer dans ce maudit bunker? Eh bien voilà, c'est une quête qui vient un petit peu, même beaucoup plus tard dans le jeu. Alors moi, je recule parce que je vois une hunter là-bas, j'en vois deux. Donc, j'ai tué, je vous jure, pendant que vous disiez, ça y est, elle m'a abandonné, elle nous a laissé tomber. Non, non, pas du tout. Mais pendant que j'étais en train de faire, de mon côté, de miner, comme je vous ai dit, j'ai tué tous les hunters que je pouvais trouver sur cette maudite île. Et dans les coffres, il n'y avait rien. Bon, si, il y avait de l'argent, il y avait des choses comme ça. Mais rien de... Il n'y avait pas de carte, quoi, comme on le demande devant la porte du bunker, là. Il n'y avait pas de carte. Hein. Donc là, je dis, attendez, il y a un problème. Et... Voilà, donc je suis allée sur le Discord du développeur. Et gentiment, on m'a dit, voilà, c'est par le biais d'une quête. Que plus tard on sera amené à devoir aller revenir ici en passant par une autre île que nous n'avons pas encore fait d'abord. Enfin bref, voilà, ce sera par une quête et donc ben, cette quête nous va nous demander de devoir faire certaines choses et je peux vous assurer que ça va se corser, mais dur, dur, de chez dur, dur. Déjà là, c'était pas mal hein, parce que vous n'étiez pas avec moi. Mais j'ai failli mourir. Je suis pas morte. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours à 132, mais lui, je ne l'avais pas vu. C'était pas prévu dans mon programme. Hein. Dégage. 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 Bon. Je le loot pas parce que bon, c'est pas la peine. Donc, ouais, on est loin d'avoir fini. Mais très très loin d'avoir fini. Donc on va revenir au bateau. C'est pas la peine. Là, je pense qu'on a assez de minerais pour ce coup-ci. Je vais vous garder avec moi puisqu'on va juste sur l'île à côté avec le bateau. On va juste là-bas pour lui donner. On va faire les lingots là puisque j'ai une forge au niveau du bateau que j'ai amené. On va faire les 20 lingots et on va lui porter. Comme ça, on en sera pour le prochain épisode à la nouvelle quête qui vont nous donner. Donc, je peux vous dire qu'au niveau de la map, en tout cas,
On peut pas dire que j'ai pas cherché. Je suis partie de la grotte là. Je suis revenue à la grotte là en fouillant les villes, revenant au bunker. Puis j'ai dit, bon allez, je suis revenue au bateau poser des affaires. Et puis, j'ai remonté comme ça. Voilà, comme ça. J'ai vraiment fait les bordures hein, comme ceci pour voir s'il n'y avait pas une autre ville. Et après, j'ai fait en zigzag comme ça, hein, de jour comme de nuit. Je peux vous assurer que si vous regardez, je suis au jour 61 là. Quand je vous récupère, vous regarderez combien de temps j'ai passé. Et honnêtement, j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est pas normal. Pourquoi je peux pas ouvrir ce bunker? Eh ben voilà, maintenant j'ai ma réponse et vous l'aurez aussi. Donc voilà, c'est tout simplement une quête qui nous sera donnée. Donc on va faire nos lingots. Donc moi je vais toujours mettre la charrue avant les bœufs. Lui aussi magasin. Hein. Et en bas, on a un hunter. On a un hunter. On va pas la tuer. Ni lui. On se barre. On va aller à notre bateau, sur notre petite plateforme, on va poser la forge, on va détruire le lit et on va aller sur l'île qui est juste là en face, là, sa petite île là, l'île des traders pour simplement lui remettre, j'ai entendu des pas de ministre, lui remettre ben, ce qu'il nous a demandé, les 20 plaques alu qu'on a avec nous. Et là, les lingots qu'on va faire fondre. Alors, j'espère que je ne l'ai pas posé ailleurs. Hein, la forge. Hein. Hop. L'autre, elle m'a pas suivi là. Hein. Non. Non, non. La sale bête. Je vais peut-être éteindre ma lampe parce que juste avant de vous reprendre, j'ai dit, allez, je fais un dernier tour de la mine. Alors, il n'y a pas énormément de minerais. Hein. Va falloir vraiment, si quand vous allez y aller, prévoyez à manger, prévoyez à boire, surtout à boire parce qu'il boit beaucoup. Prévoyez à boire, manger, il n'a pas trop mangé. Mais alors, glouglou, oui, hein. Glouglou énormément. Hein. Donc, prévoyez que votre perso ait de quoi manger. Donc, ça, on va le mettre là. Ça, je vais le mettre là-dedans. Ça, je vais le mettre là-dedans. Ça, on n'en a pas besoin. Tout compte fait, je l'ai fait pour rien. À la limite, je pourrais le revendre. On a encore trois pioches. Donc, ça, on les laissera dans le bateau. Et ici, hop, hop. Et on va prendre la forge. Je l'ai pris déjà, ça y est? Non. Toc, 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 toc. Ben, je l'ai vu là, il y a 2 secondes. Ah, ben si, je l'ai mis en bas. Et vous me le dites pas, vous êtes méchant. Allez, hop, ici. Donc par contre, on va pas tourner le dos à là, parce que si ils arrivent, au moins on les voit. Donc on va placer notre petite forge ici. Donc il veut 50, il veut 10, 20 lingots, la vache. Il est gourmand, hein. Donc on va mettre des 98. Je vais récupérer le bois dans le bateau. Sinon, à la limite, j'ai même pas de hache. Donc, c'est raté. J'espère que j'aurai assez. Du bois, là, j'en ai plus. Voilà, parce que là, on a les. Ah, si, je pourrais me faire une hache, à la limite, hein, si on n'a pas assez de bois. Alors. Enfin, ça a été une horreur. Je vous assure, cette île est une horreur. Entre les loups, la nuit. Entre les. Je vais pas avoir beaucoup de temps. Alors attendez. Donc il veut titane lingot 10. Alors. Gold, iron. Vous allez voir que c'est pas ici. Non, aluminium. Cobalt, copper. Vous allez voir que le titane, c'est pas dans la forge. Ce serait énorme. Screw, sand, nails, iron, lingot, gold. Copper, cobalt, aluminium. Non, c'est pas dans la forge. D'accord, mais il ne nous reste plus qu'à rentrer à la base. Là, j'ai les boules. Aluminium, cobalt, copper. Hein. Non, c'est pas dans la forge que se feront les lingots de titane. Ben, va falloir retourner à la base, hein. Voir où c'est que ça peut se faire.
Sachant que, ben mince, moi qui voulais qu'on passe à la quête suivante, ça m'inquiète un petit peu. Ok. Alors, dans le coffre ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai les lingots, je vais les prendre. Ça, je vais le laisser là pour le moment, je le ferai hors live. Pour voir avec vous, on va prendre ça. Donc, on a les diamants. Là, j'ai rien d'autre à prendre, non d'important. Ok, ici, on a ça, on a ça et ça, bien sûr, on va le prendre. Allez, là, moi, je ne serais pas tombée à l'eau, je pense pas. Bien sûr, sur mon arc. Et on va regarder tout de suite pour la fournaise. Et ce que je ferai hors vidéo, c'est que je regarde, je rangerai tout le bazar, tout le petit bazar. Alors, on va regarder ici. Il ne me semblait pas qu'ici, on avait un truc qui s'appelait fournaise. Là, non, il n'y a pas. Crafting, overview. Voilà, ça c'est la conso. Donc en partant, j'avais laissé le truc ouvert parce que les carottes, alors on va voir. Hein. Vous voyez, ça m'a conservé les carottes, alors je vais le laisser allumer pour l'instant. Et je ferai des canettes dans le prochain épisode. Hein. Je vais y mettre la viande dedans. Kenbi, machin truc. Ah, il lui faut. Il ne peut pas se storer là, dans ce storage. Alors, ici, si je me trompe de bouton, on va pas avancer. Alors, repère kit. Alors, fourniture bench de l'iron. Je sais pas laquelle machine, la turbine machine. Ça peut pas être ça. Cobalt, des titanium plant, sinon on aurait eu la quête pour avoir les plans. C'est une de ces trois machines. Ça permet de faire des aluminium plates. Nous, il nous faut, c'est pas des lingots, c'est des ingots. Titanium plate. Va falloir qu'on fabrique tout ça. Va falloir qu'on fabrique la fourniture bench. Le métal machine, cobalt plate, mais je peux pas faire le cobalt plate, peut-être dans l'autre truc, le repère bench, aluminium, titane, titane, ça serait peut-être le fourniture bench. Parce que là, on n'a pas les plans. Donc ça l'élimine. Là, on ne peut rien faire. On peut faire le repère kit. Le repère bench. Ça demanderait des teachers. In the furnace. Ben ouais, mais elle est où la fournace? Fourniture bench. Vous voyez là? Regardez. Crafté dans la fournace. Elle est où cette fournace? C'est fou ce truc. Encore un mystère qu'il va falloir élucider. Pourtant là j'ai tout fait. C'est pas la fournaise, ça c'est pour faire manger. Non. Ceiling lamp, semaine électrique, fridge, light, il n'y a pas de fournace ici. Et ça ressemble pas du tout à ça. Là, dans le workbench avancé, on a peut-être la fournace là-dedans. Dans le workshop wood stove, hein, on l'a fait. Contrôle panel, chemistry, gun safe, loom, on l'a fait. Là, on a tout fait. Donc, c'est pas là-dedans.
Ici, un petit conteneur, non. Attends, on va faire le tour, de toute façon, de ce qu'on a. Là, non, c'est tout ce qui est pour les animaux. Là, ici, on peut faire l'iron. Ah, ben l'aluminium, le titanium plate, on peut pas le faire. On peut faire le cobalt. Ben, ça sera mon énigme du prochain épisode. On verra ça au prochain épisode. Comment faire pour faire cette fournaise? Je ne sais pas du tout. Voilà. Écoutez, on va en rester là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi, de mon côté, je vais regarder comment on fait la fournaise. Et puis, dans le prochain épisode, on s'attellera à ça hein, pour faire les 20 ingots. Ouais, c'est des ingots. Si on regarde en bas, en fait, hein, c'est titanium ingots et pas lingots. Donc, ce n'est pas des lingots. Les aluminium plates, elles sont faites. Donc, ben, on verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, vu qu'on est au 31-12-2020, quand je fais cette vidéo. Je vous souhaite à tous en tout cas une bonne année, une bonne santé, que des bonnes choses en espérant que cette année 2021 sera meilleure que la 2020 pour beaucoup de gens. Une pensée particulière pour le monde du spectacle, de la culture, tous ceux qui ont des restaurants, des bars, c'est mal barré pour qu'ils rouvrent en janvier. Mais bon, une petite pensée pour eux et puis à vous tous en tout cas. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Voilà, plein de bibis, plein de zouzous. Et à très vite pour l'épisode 19. Ce sera déjà épisode 19 de Hold You Home. Allez, bye bye!